Salut tout le monde et bienvenue au Dollar Clip du Barbu. C'est moi votre Barbu et aujourd'hui on y va. Attention, sans filet. Alors pour cette édition du Dollar Clip du Barbu sans filet, j'ai l'intention de vous présenter ma fiche d'appréciation didactique en enseignement individualisé sur Moodle. C'est un long nom, mais en fait c'est comme une checklist pour vous aider à réviser votre cours. On s'en est parlé déjà. Si vous êtes en vente voyage. Vous étiez dans la rencontre. Si vous êtes tombé sur ma vidéo un peu par hasard, c'est quand même le fun. Enfin, vous continuerez. Alors, ça s'adresse évidemment aux gens que j'accompagne en vente de voyage. Donc, tout le monde, c'est pour vous aider à peut-être mieux saisir, mieux comprendre en fait comment utiliser l'outil. Parce que je l'explorais un peu. Et puis, c'est pas toujours facile. Alors, comme on est en édition sans filet, pas de préparation trop, on y va live. Ça va être une vidéo qui va être quand même un petit peu longue. Alors, comme on dit, bear with me. Alors, je sais, si c'est long, faites des petites pauses, mettez-les sur pause et vous reviendrez. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, dans un premier temps, on va aller sur un cours Moodle qui va nous intéresser à évaluer. Et là, si je m'en vais ici dans le kit d'embarquement, on a une séquence de quelques cours. Et je vais faire, pour mon exemple, l'analyse de comportement d'achat. Éviter, évidemment, de prendre trop gros comme bouchée la première fois. Et je vais avoir besoin, évidemment, de ma fiche d'appréciation didactique que vous pourrez retrouver dans le courriel. Que je vous envoie. Si vous êtes en vente voyage, sinon vous pouvez toujours me solliciter et je pourrai vous la fournir. Alors, dans cette fiche, vous allez retrouver plusieurs sections. Alors, vous allez avoir la section 1 qui est l'approche pédagogique ou andragogique selon le cas avec certains critères. Ensuite, vous avez la section 2 qui s'adresse plus particulièrement à la didactique, donc la façon dont vous vous êtes prise pour enseigner des choses et les différents outils que vous avez mis de l'avant. Ensuite, vous allez retrouver la section contenu et respect du programme d'études. Très important de respecter le programme d'études. C'est vraiment notre Bible. Donc, il faut s'y référer. On a quand même quelques éléments ici. Et une section. Oups, là, les chiffres n'ont pas trop suivi. Section 4 ici. Alors, on est rendu dans l'évaluation. Donc, des mécanismes d'évaluation présents au cours. Et finalement, là, les chiffres, je relève, c'est le vrai chaos. Alors, la section 5, l'aspect technologique. Donc, c'est plus l'affaire pratico-pratique. Les liens fonctionnels, les pages qui marchent, les activités qui sont construites correctement, et plus sur le sens technique du terme. Et vous avez finalement la section 6, l'ergonomie visuelle. Alors, est-ce que vous avez respecté, entre autres, les conventions de nom, les codes de couleur, etc., qu'on s'est donné? Alors, si je remonte un peu en haut, évidemment, vous regardez, c'est quand même assez costaud. C'est pas petit là. OK. Alors, il faut y aller par petite bouchée. C'est pour ça que j'ai fait des sections. Commencez par prenez une section, faites une passe dans le cours et revenez à l'autre. L'autre chose, j'ai réduit le nombre de colonnes. En fait, vous avez trois niveaux. Vous avez le niveau excellent. On veut tous être dans le vert, c'est génial. À ce moment-là, le vert, c'est qu'il n'y a aucune modification à première vue là, nécessaire pour ce critère-là. Donc, si je prends le premier critère, on me dit bien que guidé, l'élève peut choisir parmi des ressources d'apprentissage variées, modifier l'ordre de certaines activités et effectuer de l'enrichissement sur des sujets d'intérêt. Alors, si je regarde ce critère-là et que tout ce qui est mentionné là y est là, super, je m'en vais cocher dans le vert. Si par exemple on est un peu dans le rush, vous réalisez que non, l'enrichissement, il n'y en a pas. On est allé à l'os, on a gratté, gratté, on a présenté que ce qui est essentiel. Mais à ce moment-là, peut-être que de l'enrichissement, ce serait quelque chose à faire plus tard, mais pas maintenant. À ce moment-là, pas de souci, on passe au jaune et on va aller inscrire tout simplement enrichissement nécessaire à. Juste comme ça. On sait, comme c'est dans le jaune, on ne le fera pas tout de suite, tout de suite. Il n'y a pas d'urgence. Mais à moyen terme, peut-être lors d'une prochaine itération, il faudrait le faire. Ça ira donc être. Ça risque d'être reproduit, en fait, ce commentaire-là, dans notre cahier d'audit pour l'amélioration continue. Et finalement, si par exemple, vous avez la situation suivante, vous vous dites, l'ordre de certaines activités ne fait pas de sens, par exemple, et que ça fait en sorte qu'on nous demande de faire des choses, mais que l'élève ne l'a toujours pas appris. Par exemple, parce qu'on aurait inversé deux activités. Puis à ce moment-là, si ce n'est pas utilisable, on va utiliser le niveau inadéquat. Donc le matériel n'est pas utilisable dans sa forme actuelle. On doit le changer. Et là, ici, évidemment, je vais aller mettre
Moi, je vous invite à le mettre en rouge. Donc, si j'avais, mettons, les deux, je mettrais lui comme ça. Je peux le laisser comme ça. Mais l'autre, je vais le mettre en rouge. Et je vais dire, par exemple, A01, 03, 2 nécessite des apprentissages que l'on voit seulement dans A05, par exemple, parce que c'est pas dans le bon ordre. Là, vous remarquez que la zone commentaire, c'est quand même pas super, il n'y a pas beaucoup d'espace. Si vous commencez à trouver que vous devez écrire beaucoup dans la fiche, vous pouvez prendre juste quelque chose de court, par exemple, ordre des activités. Vous soulignez, vous allez dans Word, dans Révision, vous choisissez l'option ici, là, si vous voyez bien en haut, Commentaires. Et là, vous allez pouvoir mettre aussi long que vous le voulez. Il n'y a pas de problème. Et au pire, ben, on peut masquer les commentaires. Et c'est quand même facile de suivre. OK? Alors, je vais aller retirer ce commentaire-là. Oups! Retirer le commentaire, j'ai dit. Et voilà. Retirer. Et je vais enlever mes deux éléments que j'ai mis ici. Alors ça, c'est pour les petites mécaniques, je vous dirais, simples de la fiche. Maintenant, pour ce qui est de la métaux, comment je procède quand j'analyse mon cours. Donc, comme je vous dis, première chose, choisissez une section. La plus facile, je vous le dis tout de suite. Bon, je suis un peu méchant, je l'ai mis à la fin. Mais si vous voulez y aller par petite bouchée, la plus facile, c'est vraiment la partie techno. Okay? C'est la chose qui est la plus oui ou non. Hein, tous les liens sont fonctionnels. Non. Ben, c'est assez simple. On part dans l'inacceptable, puis on dit tel lien est brisé, il pointe sur un site web qui n'existe plus, par exemple. OK, donc c'est la plus facile. Dans tous les cas, vous choisissez une section. Moi, je vais retourner à ma section 1, approche pédagogique, et je vais lire l'ensemble de mes critères. Je ne vous en ferai pas la lecture. Maintenant, je vais vous faire une autre petite vidéo qui explique chacune des sections pour que ce soit moins lourd. Mais je vais lire toute ma section, lire mes critères, afin de bien m'imprégner de tout ça. Ensuite, je bascule, je m'en vais dans le cours Moodle, et là, je descends le cours Moodle, et je le fais de manière à répondre aux besoins là, de la section. Là. Alors, si je n'ai pas besoin dans ma section de vraiment ouvrir les activités, je ne les ouvre pas. Dans la 1, j'en ai besoin. Alors, je vais y aller un par un. Est-ce que ça, par exemple, ça marche? Oui, il y a un plan de cours, il me semble correct. Je ne le lis pas au complet, c'est bon, ça semble correct. Pour la 1, je n'ai pas besoin de valider le contenu, c'est une autre section. Alors, parfait. Là, ici, je vois que c'est une section qui est cachée pour les étudiants, donc je n'ai pas à m'en soucier. Il y a une liste, je vois que c'est intéressant, je vois qu'il y a des activités. Alors, je descendrai comme ça chacun des éléments. Quand j'ai des activités, j'irai cliquer dessus. Donc, je me fais une tête. Hein? L'idée, c'est de se faire une tête, de regarder les activités. Et de se mettre en perspective que, par exemple, bien que guidé, l'élève peut choisir parmi des ressources d'apprentissage variées, modifier l'ordre de certaines activités et de l'enrichissement. Bon, super, je vais aller voir. Je vois clairement ici, on a un quiz, des H5P, on a des fichiers texte, on a des URL. C'est quand même intéressant. Là. Je vois qu'il y a une belle variété déjà dans la première section. Je regarde l'autre section, on a un dépôt de devoir. Plusieurs URL, un fichier Word de type un gabarit, un PDF, une page. Donc, tu sais, si je regarde ça vite, il y a quand même beaucoup de variétés. L'autre chose, je me rends compte qu'au niveau des restrictions, donc, tu sais, l'ordre obligé par lequel je suis obligé de passer, c'est bien. Donc, un élève pourrait faire cette activité-là au lieu de celle-là. Donc, il semble avoir de la variété. Par contre, là, évidemment, la partie difficile, c'est de lire le contenu puis de déterminer s'il y a de l'enrichissement. À l'œil, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'endroit où c'est marqué enrichissement. Ça se devrait d'être écrit là, de façon claire. Puis là, clairement, on n'en voit pas. OK, donc je descends jusqu'en bas, et synthèse. Donc, il n'y a vraiment aucune section enrichissement, aucun élément marqué comme étant de l'enrichissement. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner dans ma grille. Je vais souligner enrichissement. Je vais le biffer parce que c'est l'élément problématique. Je vais dire enrichissement manquant. Je vais laisser même en rouge, mais je vais mettre ici en jaune.
un message qui, mettons, une espèce de orangé là pour dire que c'est pas critique. Les activités de brassage sont introduites avec un contexte lié au métier et à sa tâche. Est-ce que je vois des contextes? Donc, je vais faire la même chose. Je vais aller regarder. Je prends l'activité. On dit ici, apprendre à se connaître comme client est un point de départ important dans l'art d'apprendre à connaître vos futurs clients. Donc, je vois qu'il y a des petites intros comme ça. Ça me donne un peu de contexte. Même chose, bien que complexe, les clients peuvent généralement être groupés en catégories que nous appelons type. Apprenez-les pour mieux les servir. Donc, toi, il y a encore un petit élément de contexte. C'est soft. Mais en même temps, on est dans des compétences de début, il n'y a pas du gros contexte. Si vous avez des études de cas, des mises en situation importantes ou des tâches spécifiques au métier, elles doivent être encore plus contextualisées. Alors, on va aller voir. Selon un sociologue bien connu, nous avons tous besoin des besoins. Bon, d'accord. Donc, des jeux d'association. Je pourrais ouvrir, à la limite, comme ici, un test et aller regarder le test. Donc, je vois que dans le test, déterminer le motif d'achat s'abonne pour l'énoncé suivant. Je veux me payer un voyage. Donc, moi, je suis pas expert de contenu. C'est difficile pour moi de déterminer. Mais je vois clairement qu'il n'y a pas de contexte ici. On est vraiment dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la mémorisation. Donc, ça manque de contexte. Par contre, je vois que avant le quiz, on m'a mis un petit contexte. Alors, si je suis expert de contenu, c'est à moi de juger. Est-ce que c'est suffisant pour la pertinence? Est-ce que les élèves comprennent bien à quoi ça sert? Hein, la fameuse phrase d'un enseignant de l'UQAM, M. Boudreau, le « cossé ça donne hein, », qu'est-ce que ça donne de faire ça? Il faut que ça soit clair pour l'élève. Donc, moi, je pense que oui, il y a quand même à chaque fois des contextes. Ici, il en manque. On aurait pu en mettre. Si on est bon, on est bon. Je vois que c'est surtout des quiz, donc on voit qu'il y a beaucoup de connaissances à mémoriser. Ici, on a une évaluation synthèse. On pourrait aller regarder si elle est contextualisée. On voit que c'est des mises en situation, donc c'est excellent. Donc, on sent qu'il y a du contexte. Mise en situation, c'est bon. Là, je fais vite là, pour la vidéo, mais on éviterait à tout lire. Donc, je pense que oui, c'est bon. Les activités d'apprentissage ressemblent à des tâches ou à des opérations. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de quiz et tests. C'est peut-être la chose que j'aurais peut-être augmenter les études de cas. C'est une suggestion que je mets. Je le mets en jaune. Je trouve que peut-être qu'il y a un petit peu trop de quiz un peu partout. Ça serait à évaluer. Peut-être que c'est dans une amélioration plus tard. Et de façon générale, les activités d'apprentissage sont autonomes et ne nécessitent pas l'intervention de l'enseignant. Alors, si je les regarde, ça, c'est sûr, c'est des quiz. C'est autonome. Ici, j'ai un devoir. J'ai marqué, donc, j'ai besoin d'un devoir. J'ai besoin de l'enseignant, peut-être. On dit, effectuer des recherches et compléter pour chaque classe sociale. Une fiche, déposez-les dans l'activité. Non, dépôt. Parfait. Est-ce que j'ai un corrigé de ça? C'est intéressant d'aller voir les paramètres de l'activité. Dans ce devoir, est-ce que j'ai un corrigé, par exemple, ou une grille d'auto-évaluation? Type de remise, non. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un corrigé. J'essaie de le voir, là, note. C'est pas là. Je le cherche, là. Je me cherche. J'ai l'air un peu d'auto, mais on laisse enfiler. On fait des erreurs, c'est pas grave. J'essaie de retrouver l'endroit pour le corriger. Type de feedback. Ah oui, ici. Donc, on voit qu'il n'y a pas de corrigé pour ça. Donc, s'il n'y a pas de corrigé à même l'activité, je vais me poser la question, est-ce que j'ai une auto-évaluation? Je vais aller voir à nouveau l'activité. On a un gabarit. Donc, on a quelques devoirs comme ça à déposer, que ce sera à se poser la question. C'est quoi? Comment je sais si j'ai la bonne réponse? Comment je sais? Donc, là, je serais tenté ici de dire, on va aller dans le jaune. Il y en a quand même pas beaucoup. Une, deux. Donc, je crois que j'irai peut-être. J'irai peut-être même dans le rouge. Peut-être qu'on va changer, mais on va questionner l'enseignant. Et là, c'est le 0309, le 0310. Donc, A0309. A0310. Aucun corrigé ou auto-évaluation.
Et voilà. Donc, moi, avec ça, déjà, je suis capable de donner un début de rétroaction. Si je vois autre chose en lien avec l'approche pédagogique-andragogique, j'invite encore une fois à regarder l'autre vidéo pour comprendre, bien cerner ce que cette section veut dire. Ben, je peux écrire ici. Dans le doute, c'est pas grave si vous mettez dans la mauvaise section. L'important, c'est que si vous voyez quelque chose qui vous accroche comme professionnel de l'enseignement, il faut le dire. Il faut le dire, c'est important. Donc, vous pouvez l'écrire ici. Donc voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est que, évidemment, quand vous avez des sections complétées comme ça, vous pouvez les envoyer à la personne rédactrice, donc la personne qui a élaboré le matériel, ou tout simplement, vous pouvez la contacter, comme ici, ça serait une note là, que je me mettrais, j'essaierai probablement de contacter la personne à ce sujet-là. Donc voilà, ça complète en quelque sorte ma petite vidéo, j'espère que ça va vous aider avec la fiche d'appréciation. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage, bonne révision. Salut!